Alors on va être parti pour l'une des dernières courses de cette première journée des régionaux ici à Coulaines avec le relais 4x100 féminin. Le Carquefou assez au départ avec Camille Martello, très bonne partante explosive qui va essayer de faire un gros départ pour le CAC, un relais espoir hein, qui visera quelque chose de beau à Aubagne cet été. Les conditions météo sont pas forcément idéales avec un peu de vent et de la fraîcheur en cette fin de soirée. Il y a eu du retard aussi dans cette compétition. Allez, c'est parti. Camille au couloir numéro 8, on l'a pas précisé. Camille qui est bien parti, qui va passer le témoin à Margot dans la ligne droite opposée. Allez, attention les filles, il faut bien que ça passe. Ouais, c'est pas mal du tout, ça c'est pas mal du tout. Elle est bien lancée, Margot, dans la ligne droite opposée. Allez, Margot, allez, allez, faut y aller. Le CAC en tête dans ce relais 4x100 féminin. Et Margot qui va passer à Elo, ça passe. Ça passe, ça passe pour les filles. Allez, allez, il faut remettre le couvercle dans le virage. Allez, 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 grande foulée d'Elo. Qui va passer pour finir à Justine qui n'a pas couru de la journée. Allez, Justine, un petit peu blessée. Voilà, on va peut-être laisser filer la victoire à la CC 44. Allez, Justine, faut se bagarrer, allez, allez. Victoire de la CL et le CAC qui finit deuxième. On n'aura pas le chrono. Mais a priori, moins de 49 ou 49 et quelques. On a 48 sur 73 au chrono manuel. Donc, a priori, dans les 49 au chrono électrique. Donc, c'est pas mal vu les conditions. Bravo les filles.